Babylon, and that is who I am. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Dynasty, Pharaoh Dynasty bien sûr. On se retrouve avec Babylon, avec Hadad, et on va continuer, c'est le deuxième épisode de notre petite partie. Alors j'ai fait en off un petit tour de tout ce qu'on pouvait construire, des différents bâtiments, des possibilités, j'ai fait un petit peu de diplomatie. Alors c'est le premier tour, donc il y a encore assez peu de personnes qui sont en déche de ressources ou qui ont besoin de diplomatie, mais j'ai quand même réussi à négocier 180 de pierres pour un tout petit peu de nourriture, à peu près 210 je crois de nourriture, donc carrément intéressant. Pour l'instant malheureusement personne n'a de bronze, mais on a quand même une belle réserve, donc c'est pas très grave. Au niveau des bâtiments, j'ai regardé un peu. Alors on a le camp de rassemblement des autochtones qui permet de recruter pas mal de bâtiments, pas mal d'unités. De type autochtone, hein, classique, qui sont assez costauds, hein, des Acadiens globalement, et notamment notre cavalerie. Mais c'est un bâtiment qu'on peut potentiellement faire dans des provinces mineures avec un peu moins de bonus. Donc à voir. On a aussi la possibilité de faire la masure d'esclaves qui permet de recruter les Silulus, et plus tard la caserne des citoyens qui permet de recruter les Siracus qui sont les contremaîtres, donc qui doivent aller avec les Silulus. Donc c'est ici qu'on va trouver notre pool d'unités de faction la plus solide. J'hésite à le faire parce que globalement on peut le faire dans les provinces mineures. Alors c'est 3 bâtiments au lieu de 2. Je crois, mais ça monte jusqu'au niveau 3, donc ça pourrait être une idée. Cela dit, on n'en a pas pour l'instant de province mineure. Ouais, là, il n'y en a que 2, c'est bien ce qui me semblait. Donc à voir ce qui s'y vaudrait le coup. Pour le moment, je partirais bien sur une garnison, mais on peut pas. J'ai lancé la nourriture parce qu'on est clairement sur de la nourriture avec nos deux provinces là, donc ça va être notre ressource d'échange. Donc ouais, je pense qu'on va partir sur ce bâtiment là. Pour pouvoir faire quelques recrutements, quitte à le virer à terme, on verra. Mais il va nous falloir un peu renforcer notre armée. Pour l'instant, le seul truc qu'on peut recruter, c'est du paysan, via justement ce premier niveau de camp de rassemblement là. Donc c'est pas oufissime, c'est clairement pas oufissime. Il faut qu'on s'occupe de lui là, donc il y a deux provinces. Notre prochain adversaire, ce sera probablement celui-là. Pour pouvoir compléter notre province du Rook. En plus, il a des avant-postes assez intéressants. Alors, il y a pas mal d'avant-postes spéciaux, c'est assez sympa. On en a un ici, on a la grande ziggourate blanche. Le temple blanc de la ziggourate d'Anu. Ici, on a un truc imprononçable, Etemananki, qui est dédié à notre dieu Mourouk. Et ici, on en a un autre, qui est la grande ziggourate dure, qui a priori celui-là a survécu jusqu'à notre ère. Ils ont parlé dans une description de vidéo, enfin dans une description de chargement. J'ai lancé quelques avant-postes avec nos ressources. Ici ça va être une province, je pense, de ressources justement, donc j'ai fait un petit comptoir commercial. Il va falloir qu'on vise la légitimité, hein, on le sait, mais pour le moment c'est pas la priorité. Je pense qu'ici je ferai le petit monument pour la légitimité, mais d'abord on va se débarrasser de l'armée qui traîne autour et on va faire ça tout de suite avec le mouvement qui nous reste. Ah, il recule, ça c'est pas cool. Putain, il recule loin en plus. Ah, on n'a plus la place. Qu'est-ce qu'on a? On peut passer en marche forcée, embuscade, on a plus ce qu'il faut de pas loin, on est à 24%. D'accord, alors est-ce qu'on sait avec quoi il a reculé? Ah oui, il a 3 pécores et 3 archers. Ouais, effectivement, même avec notre armée, on est quand même plus costaud. Cela étant, il a un sacré mouvement là où il est. Je pense qu'on va se placer par ici. Alors du coup, je vais pas lancer la construction de ça parce qu'il va être potentiellement capable de tomber dessus, mais au moins là, s'il décide de repartir vers ce côté-là, on aura un avantage. S'il décide d'aller vers sa ville, c'est là qu'on va, donc pourquoi pas. On va recruter 2 pécores, juste histoire d'avoir une petite ligne de front qui tiendra que dalle, mais au moins ça renforcera un petit peu notre ligne qui est vraiment très faible. Et puis je crois qu'on va pouvoir passer notre premier tour. Hein. Là j'avais pris le truc, mais ça peut être bien, cela dit. Hein. Je vais peut-être du coup, parce que le truc d'être planqué, je vois pas trop l'intérêt. On va prendre ça.
Moins 15 de déplacement sur Terre pour les armées ennemies, ça peut nous tellement nous aider pour éviter de poursuivre pendant 100 ans des gens. Donc on va prendre ça. Alors, on a un ordre disponible. Ah oui, parce que cette province-là, on l'a complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ordre? Bâtisseur, croissance, par contre, moins d'emplacement de recrutement. Ouais, l'ordre public, ça donne quoi? Ça monte. 5 de production, on produit de la nourriture. Entretien et coût de recrutement. Du bonheur, de la croissance. J'aime bien celui-là. On va très probablement continuer de construire là, parce que tous nos bâtiments sont level 1, notre truc est level 4, donc il va falloir qu'on construise. Donc je pense qu'on va activer ça. On n'aura plus qu'un seul emplacement de recrutement, mais on aura recruté nos pécores, après on avancera. Et du coup, l'avant-poste, on va pas le faire. Alors ils ont un avant-poste assez sympa, qui est ici. Le refuge des guerriers. Qui fait qu'on a des unités de réfugiés qui viennent nous soutenir dans tous les combats qu'on fait dans la région. C'est assez rigolo. Ça coûte de l'entretien de nourriture, par contre. Donc je pense que ça serait intéressant à faire. Alors, peut-être pas à Babylone, ou alors à la place dans des autres trucs. Peut-être à la... Mais on a déjà un hôtel, donc ça m'embête un peu. Donc on verra. Le 3 de légitimité, il est pas ouf, mais on a vu que ça pouvait jouer, quoi. Donc on verra quand notre cours sera débloqué, peut-être. On va passer le tour. Voir un petit peu ce que nous propose notre ennemi. On a 100, pas mal de factions. Ah, j'en ai dit 160, mais on en a déjà perdu 2. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut attaquer Babylone? Il est passé en marche forcée. D'accord. Et juste hors de portée. À Babylone, on a 10 troupes. Qui sont carrément capables de tenir ça. Alors par contre, ils pourraient éventuellement aller attaquer mes avant-postes. Mais on pourrait tomber sur sa ville aussi. Hein. Sa ville, il y a 10 unités de garnison, on est 11. Prince Ur and protector of Nippur. Alors comme d'hab, hein, l'IA nous fait nous poser des questions. On pourrait aussi tenter une embuscade, mais je vois pas pourquoi il a été là. Est-ce qu'il veut attaquer ça? Ça me ferait chier de le poursuivre. On a pris le 15% de mouvement, c'est pour ça qu'on est juste à sa portée. Un chouïa trop loin. Et on sait que dans Pharao, on peut bien foutre la merde à l'économie en allant raser des trucs. Donc je suis sûr que ça doit demander de l'or à reconstruire en plus. Il y a hésitation. Est-ce qu'on se fait tout de suite une deuxième armée? Il y a cette possibilité aussi. Hein. En général, on va dépenser de la nourriture. Après, on n'a plus qu'un emplacement de recrutement, là, on est d'accord? Ouais. Voilà, donc on va mettre des plombs à recruter. Il nous faudra 7 tours pour recruter 7 unités. Enfin, 6 tours parce qu'on va avoir le général plus 6 tours pour acheter 6 unités. Il y a moyen que ça traîne pendant ce temps-là. Et là, ils ont 2 provinces, celle-ci et l'autre. Donc à faire tomber, ça va prendre un petit peu de temps, mais peut-être moins que 6 tours, ça dit. Hein. Ils ont que 2 provinces, ouais, c'est ça, ils ont que 2 provinces. Sinon, on a l'embuscade. On se met en embuscade par là et qu'un peu de bol, il décide de repartir par ici. Si je me mets en marche normale... Ouais, on est juste à portée de sa ville là, donc je peux pas tant reculer que ça. Embuscade dans une petite forêt là, près de la route. À 70%. Et je pense qu'on sera trop loin de sa ville, malheureusement. On va vite hein, sur le fleuve. Hein. On a plus de mouvement si on passe par le fleuve. J'hésite. Une fois de plus, l'IA nous fait réfléchir, ce qui est bien. Hein. Elle est là pour ça, même si c'est chiant. Je pense qu'on va ménager le chou en se mettant là. Ouais, j'hésite quand même.
toute façon, on peut pas le choper. Donc, couper ces lignes de ravitaillement. On va aller couper ces lignes de ravitaillement. S'il nous fait chier là, on va se rembourser sur ce qu'on prend chez lui. S'il vient nous raser des trucs. D'ailleurs, en vrai, j'aurais pu raser ce truc-là. Mais il faudra le reconstruire après et j'aimerais autant le garder. Donc on va lancer le siège. Alors, qu'est-ce qu'il a? Des guerriers à la hache, c'est un peu plus costaud. Du guerrier acadien, pareil, avec des képèches. Trois archers, une cavalerie et son général. Et nous, on a 9 de main-d'œuvre. Il a pas mal d'archers, hein, il nous faudrait de la tour. Il nous faut alors du temps. Qu'est-ce qu'on a, nous? Relativement peu de tireurs. On a les sapeurs pour aller attaquer la porte. Donc on va dire qu'on n'a pas besoin de bélier. On va faire des tours. Résolution automatique, ce serait une défaite. Ok. On va voir, peut-être que ça va le faire venir. Hein. Là, normalement, il est trop loin, même en marche forcée. Parce que là, il est en marche forcée. Mais ça va peut-être le faire venir. Alors, du coup, là... Ce qui nous manque, c'est de la main d'œuvre. Mais on pourrait booster ça pour améliorer un petit peu plus la main d'œuvre. Ou alors aller chercher ça, pas encore. Tac, tac, tac. Ça, c'est franchement pas très intéressant. Le 5 de nourriture. Non, là... coût de recrutement, nourriture, bonheur moins 2, 20% de nourriture. 20% de nourriture plus les 5% de bonus d'influence élevé, ça pourrait commencer à compter. Hein. 25% de nourriture. On fait déjà 500 ici avec juste nos bâtiments de base et on va passer à beaucoup plus. Alors là on voit, hein, y a la production du bâtiment est influencée par l'hiver, donc il va falloir qu'on fasse attention à ça aussi. Alors, ça on peut pas, on a besoin de 2 de main d'œuvre. On pourrait faire de la croissance, nourriture et faveur. Ouais. Bon, je pense qu'on va améliorer ce bâtiment. Un peu de bonheur, un peu de croissance, c'est très bien. Ici, on est en train d'agrandir la colonie, donc rien d'autre à faire. Bon, on a toujours ça qu'on pourrait améliorer, mais bah, pour le moment, on va rien en faire. On a donné un ordre, on a rencontré les Ishtarans. Ah bah oui, c'est ceux qui sont là, là. Alors eux, du coup, on pourrait éventuellement les confédérer. Qu'est-ce qu'ils représentent? Ils ont une seule province, ok. Donc c'est vraiment les mecs qui ont la troisième province de Bit Peri Amuru. Donc on ira probablement les taper. Pour l'instant, ils nous aiment ni ils ne nous détestent. En avant-poste, il y a juste la ziggourat d'Enlil. Les deux autres sont vides. Ok, donc on ira probablement chercher. On va prendre ça. Aller chercher son autre ville qui a l'air d'être dans le coin, qui est peut-être du bronze en plus. Non, c'est de la bouffe. C'est de la bouffe, donc ça doit traîner dans ce coin-là, je pense. On avait vu qu'il y avait une petite frontière là. Ouais, sur Marathi, c'est ça. Donc la ville doit traîner dans le coin. Et après, peut-être qu'on fera une guerre éclair avec eux pour prendre la troisième province. On verra où on en est. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de courir après lui. On peut toujours faire un avant-poste. Bah, c'est pas grave, c'est comme ça. On va voir ce qu'il fait, mais je pense que le prochain tour, je lancerai un recrutement quand même. Pour pouvoir commencer à avancer. Alors là il sort, ok, intéressant, il décide de sortir, excellent. On va la faire bien sûr. On a déjà plus de chance là, si on la faisait en auto, ce serait une victoire à la cadnéenne et on perdrait notre char. Ok, très bien. Alors il a de la cavalerie. La cavalerie c'est 120 de vitesse et nous c'est 120 de vitesse aussi. Ok, et les péons là. Là, 48 de vitesse. Les archers, certainement beaucoup moins. Enfin, probablement dans les 48 aussi, mais... Donc on a quelques lances, enfin quelques pieds. Notre chef qui...
qui est doué pour défendre contre la cavalerie. Et il décide de nous attaquer sous la pluie, intéressant. Alors, à quoi ressemble le terrain? On a une petite hauteur, hein, qui est pas inintéressante ici. Il va peut-être nous aider un peu. Sachant qu'il a pas mal d'archers. Nous ici on a du pécor. Notre vrai problème va être la ligne de front, hein, je pense. Il y a quand même du mec assez costaud. On va faire une ligne avec les mecs un peu faibles. On va garder notre général derrière pour soutenir le moral. Devant, on met les tireurs. Sur les flancs, on va mettre les lanciers. Et dans la forêt, c'est pas une bonne idée. On va mettre notre cavalerie par ici. Essayer d'aller titiller un petit peu qui de droit. Alors, il faut qu'on se réangle. Viens là, vous deux ici. Toc toc. Je vais essayer d'utiliser eux pour chasser les archers. Le général pour éventuellement défendre si jamais la cavalerie fait n'importe quoi. La cavalerie est où? Elle est au centre. J'ai cru qu'il l'avait planqué, mais non. Les archers, ils doivent avoir la même portée que moi. Hein. 150, 135. Ils ont plus de portée que moi, attention. Ça, c'est quoi? Des hautes herbes qui nous ralentissent un peu. Ok. Alors, l'avantage, c'est que nos frondeurs ont une excellente portée. 210, 230. Sous la pluie, ça fait quoi? Précision et vitesse de recharge. Ouais, c'est pas ouf non plus. Hein. Alors là, il est en train de détacher des guerriers à la hache. Bah, s'il veut courir après moi avec ça, ça me va. Puisque c'est clairement notre ligne de front qui est la faiblesse. Hein. Allez, dès qu'on a commencé à engager le tir, ce qui devrait arriver maintenant... Alors, j'aurais besoin que vous tiriez sur les archers, s'il vous plaît. Là, on va se rapprocher un peu. Ensuite, j'aimerais que ma valeureuse ligne de front s'avance. Toi, tu vas progresser un petit peu. Alors là, ils tentent des trucs avec la cavalerie, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Ok, on va surveiller la cavalerie ici du coup. Tenir la position, là on va faire le mur de bouclier, vous tenez la position. Même si je suis pas convaincu que vous allez tenir longtemps parce qu'ils sont en train, on dirait, de tenter un genre de faux contournement bizarre. Alors les archers c'est pareil, ce serait bien si vous pouviez tirer sur les archers. Alors là ils chargent notre... Il charge nos lanciers avec sa cavalerie. Très mauvais plan. Ici. Ah, mais en fait, oui, il y a une petite hauteur là, j'avais pas vu. Putain, mais du coup, on est effectivement très mal placé. Faut reculer là. Enfin, très mal placé. On n'est pas particulièrement très mal placé, mais c'est nos pécores qui vont manger chaud. Ah, et j'avais pas vu qu'il y avait une toute petite remontée là, effectivement. Ah, donc en fait, oui, d'accord. La bataille en fait va devoir se faire là. D'accord, bon, ok, changement de plan rapide. Venez vous placer comme ça rapidement, vous, sur la cavalerie. Ici, il faut qu'on recule du coup rapidement déjà. Je vous ai donné l'ordre, mais
Il est temps de volte-facer pour y aller. Vous courez par ici, encore que vous pouvez faire le tour par là. Vous allez faire le tour par là. Pour attaquer ça, rapidos. Ici, pareil, tirez là-dessus. Vous tirez là-dessus. On peut remettre des munitions hein, si on le souhaite. On a même la possibilité d'être dispersé, de faire un mur de bouclier avec eux. Ouais, eux, ils ont l'air de galérer par contre sur leur... je ne sais pas pourquoi. Alors attendez. Je vous ai demandé de courir, vous. Je veux bien que les paysans soient les plus promptes à obéir, mais il y a quand même des limites. Hein. Là, c'est en déroute. On va commencer à tirer là-dessus un peu. Toi, du coup, charge là. La cavalerie. On va la repasser en... Alors, on a quoi? On a le tir courbe avec eux, tiens. Qui fait quoi? Le tir courbe standard, une trajectoire moins directe. Ah, d'accord, oui, on peut avoir le tir varié. Où là, ils sont censés changer de tir sans les besoins. Continuer de les titiller un peu. Alors attention parce que notre général est engagé face à la cavalerie. Ça pourrait avoir le coup qui recule un peu éventuellement. On va voir ça. Ok, ici c'est en déroute. Toi tu recules. Là, la cavalerie recule. On va lancer le combat contre la suite. Ici, on va tenter une charge sur eux. Ça devrait être relativement efficace. Les fronteurs font le taf. Ici, on va se remettre en tir direct. Tirer dans leur dos. Victory Becker. Alors, là on a quoi? Le tir sifflant, le tir direct. Très bien. C'est vrai que eux, ils ont moyen de faire un petit tir spécial. J'avais oublié. Alors là, il y a tellement un gros tas d'unités. On va arrêter de tirer sur ça. On va tirer dans le gros tas, là. On va envoyer les conscrits ici. Les épéistes en armure. No hesitation. Chariots. Let's fly. Take their heads. Donc ici, c'est engagé, parfait. Vous, par ici, là. Enveloppez-les. Ici, on balance du gros tas du gros tir dans le tas, mais forcément, il y a tellement de monde que ça nettoie un petit peu. On a tir direct par là. Ici, on a un angle pas mal pour le tir direct. Là, c'est en déroute, donc occupez-vous du deuxième. Et vous, en vrai, ce qui serait intéressant, ce serait que vous couriez jusque là. Alors, plutôt par là. Ah, putain, ça fait un sacré détour. Tant pis. Là, on les chope. Donc là, on a nos pécores qui partent en déroute. Hein. C'était relativement prévisible. Ça me choque pas. Ils vont mettre un petit peu de temps à arriver, c'est pas trop grave. Vous êtes vraiment obligé de faire aussi peu de tirs là. Ça pourrait être intéressant éventuellement de se dégager cela, mais bon. Voilà, ici, vous allez me faire une charge dans le dos de ça. Alors là, il y a la cavalerie, il y a du frondeur qui s'est remis en forme.
On a commencé à tirer dessus. Pareil, il y a des bouts de cavalerie qui reviennent là. Mettez-vous en formation, les gars. Il faut qu'on leur fasse mal. Là, on court, on court. Ici, c'est en déroute complète. C'est parti, courez aussi. La cavalerie est engagée. On a, ça nous laisse nos tireurs disponibles pour jouer un peu. Il y a quand même la grosse masse. Nos petits lanciers, Sylvie, là, ils font le taf. Hein. Vous avez plus de munitions, vous? Bah si, vous avez de la munition. Toi, tu peux recharger les munitions des gens. Vas-y, recharge un peu. Ah non, tiens, rigolo, il faut qu'il soit au contact pour le faire. Oui, mais c'est pas illogique, hein, cela dit. C'est assez intéressant. Ok, alors général est mort. Par contre, il n'y a plus que les conscrits qui tiennent, là. Ouais, il va falloir un peu de renfort. Vous passez en tir direct. Venez me tirer là-dedans. Là, il va falloir un peu de soutien. Alors ici, vous vous êtes reformé, bah revenez. Ici, on va se faire une petite charge dans le dos de ceux-là, histoire de voir si on peut pas les faire claquer. Fight with pride. Pour libérer de la troupe, voilà, parfait. En avant, vous revenez par ici. Fight with pride. Alors là, il y a un truc qui s'est reformé. Oula, excusez-moi, je l'ai en dehors de l'écran. Il n'y a rien qui s'est reformé, c'est bon. Ça y est, c'est en train de céder. Le moral cède, on va avancer. Ok, c'est la déroute. En avant, il faut essayer de me faire le plus mal possible. Repassant en tir varié là. Tirez dans le tas, pareil pour vous. Tirez dans le tas. On va évacuer les mecs qui sont au corps à corps, histoire d'éviter un peu le tir ami. Hein, ce serait con qu'un petit caillou mal placé sur l'arrière de la tête bute notre chef de faction. N'est-ce pas? Les chars qui font le taf. Ok, c'est une vitesse un peu mieux. Voilà, là, plus de projectiles, ça fait quelques morts, c'est ce qu'on veut. Pour cela, tant qu'à faire. Ça fait le taf, les chars. Faut les micromanager, hein, comme toute la cavalerie dans le jeu, hein, comme je disais dans un commentaire, mais ça fait le taf. Oui, victoire de justesse. Bah, c'est vrai que notre ligne était pas loin de céder, mine de rien. Mais on avait le général en réserve, donc... j'ai pas été particulièrement inquiet. Bon, j'avais pas vu la petite falaise, la mini-falaise. Ça, c'est pour moi, effectivement. Même les pécores, hein, ils ont fait du travail. Hein. Voilà. Le petit coup de lance. Alors, tac, tac, tac. On va prendre la reconstitution. Alors, on a quoi? Ah, on a du bon. On va prendre le bon. Du coup, il fait quoi? Il passe en marche normale, il va aller raser mes trucs. Ouais, ben, comme prévu. Et après, il progresse par là-bas. Bon, ok. Alors la ville là-bas n'a que
6 d'unités de garnison, mais franchement, vu ce qu'il a, j'ai aucun problème à la gérer, hein, ça me fait pas peur. Alors du coup, ici, on est passé au niveau 3. Tac. Activé quand chef de faction. Tiens, c'est rigolo, la ligne de mire ne marche que pour le chef de faction. Et là, on a de l'influence. On va aller chercher ça. Et on a gagné la faucille remarquable, entretien de nourriture moins 10%, pas mal. Pas mal. Petit objet. Et du coup... Ouais, du coup, là, on le défonce. Donc on va y aller. Hop. Voilà. Everyone did their part. Bravo. 149 quand même. Hein. Puis on occupe. Ouais, c'est quand même intéressant. Puis on occupe pour cette première province. Voilà, ça va nous donner un petit peu plus de légitimité au passage. Du coup, on répare. Hop. Et on a quoi ici? Du bois. Ok. Est cassé visiblement, mais qu'on peut pas réparer, ça doit venir de la truc principale. Ok. Et du coup, ce truc-là, légitimité, rang de recrutement pour les généraux. Ah, sympa. Ça pourrait être intéressant, du coup, d'avoir de quoi recruter dans la province. Même si pour le moment, clairement, il nous faudra un petit peu de bonheur. On verra après, on a plus de main d'œuvre. Donc ici, il nous a rasé ça. Ouais. Et pour le réparer, ça coûte de l'or et de la pierre. On va faire avec. Il va nous emmerder, hein. Ça, il n'y a pas trop de débat. Du coup, je pense qu'on va recruter un général ici, tant qu'à faire. Hein. Parce qu'il arrive niveau 3 direct, on va pas s'emmerder. Alors... Toi, tu es hédoniste. Chance d'avoir un enfant, 10%. Toi, t'es fourniture de bibelots, ok. Et propriétaire prodigue. Oui, maintenant, on a un coup d'administration, là, si on recrute des nouvelles armées. Alors la valeur là, on est à 41. Il faudrait pas qu'on atteigne au-dessus de 54. Donc là, on serait bon. L'entretien moins 25%, il est pas mal. Hein. Après, on passerait à rang de recrutement plus 1, entretien juste moins 10%. Et après, ça commencerait à coûter plus. Et à la fin... Déplacement sur terre bonus, gros rang de recrutement pour tout le monde. Par contre, 140%. Waouh, ça pique. Ok, bon, pour le moment, on va partir du coup sur un général. Alors, c'est lequel qui donne du mouvement, j'oublie toujours. C'est la présence qui donne du mouvement. Non, c'est l'ardeur qui donne du mouvement. La présence, c'est le coup d'entretien. On va lui donner le petit point, là. Et on va aller chercher si on n'a pas un général avec de l'ardeur. Non. Aucun n'en a. Ils sont tous courageux. Bah, vu que lui a des chances d'avoir un enfant et qu'il y a bien moyen qu'on fasse une dynastie à un moment, on va prendre lui. Et du coup, on va lui mettre ses points ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Accumulation de fatigue et reconstitution. Ouais, go. Et en équipement, par contre, on a que dalle hein, pour le moment. Et en recrutement, tu peux prendre deux pécores. Bah, je prends deux pécores, tant qu'à faire. Et il va falloir qu'on aille chercher le monsieur. Alors, les divinités locales. Là. On a débloqué les divinités. Donc on est déjà à 600 sur 800 pour lui. C'est-à-dire qu'on a le niveau 1, on a déjà le niveau 2. Oh, chance de mourir de yes, moins 50% et immunité contre l'usure.
Pas mal. Franchement, pas mal. Bah, ça va être notre notre chef de faction, je pense. Hein. Take this mantle and wear it with pride. Bah ouais, carrément. Babylon endures. Carrément, le petit bonus de pour pas mourir de vieillesse, il est pas mal sur un chef de faction là. Et du coup, on connaît Ishun Shishak qui fait 40% de prisonniers capturés, moins 60% de retien sur les hôtels, pas mal. Gros bonus de déplacement et d'attaque en mêlée. Ninurta, du rang de recrutement, bonus de charge et vitesse de recharge, 24% de vitesse pour toutes les unités de l'armée, sympa. Ashur, temps de résistance au siège et croissance de main-d'œuvre, ouais. Chance d'embuscade, 40% de vitesse pour les gardes du corps, ok. Oula. C'était lui, yes. Et le dernier, Ishtar. La déesse mésopotamienne de l'amour, du bonheur, logique, chance d'avoir un enfant 25%, 200 XP par tour pour le général dévoué, sympathique, et là du coup on passe aux égères, ok. J'aime beaucoup le design spécifique de chaque dieu quoi. Ok, pas mal, bon bah pour l'instant le mien me va, clairement, il m'a l'air fort sympathique. Et du coup, là, on va recruter deux pécores avec lui, et après, on l'enverra défendre Babylone. Je pense qu'avec quelques unités, alors il nous faudra du char, malheureusement, si on voulait gérer ça, mais là, on peut recruter, du coup, potentiellement des lanciers, je crois. Ouais, c'est ça, des lanciers civils qui sont tout à fait capables de chasser les archers, on a vu. Donc ça pourrait être intéressant. On pourra aller se le faire, même avec 5 troupes, je pense qu'on peut se faire cette armée. Ça va être un combat un peu coûteux, mais je pense que ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a obtenu des niveaux. Avant-poste Miyasak, bah ouais, malheureusement. Hein. On a terminé des bâtiments. On a rencontré des factions. Et on est dévoué. Parfait. Alors, du coup, ici. On pourrait commencer à construire des choses. Ici, on va faire de la bouffe encore dans le coin. Je pense qu'on va prendre ce bâtiment là. Alors peut-être pas là par contre. Plutôt à l'intérieur des terres, enfin si on peut dire. Plutôt là. Et ici on ferait... tac tac tac. Le point de passage. Voilà. Ça me va bien. Là on ira interagir avec ce truc là. Et après, on partira là-bas avec notre... Ah bah, elle est là-bas, la ville, ok. Du coup, on va interagir avec ça, puis après, on partira là-bas. Pour aller chercher Sumarati, qui a une petite garnison. Let us fish. Ouais, le temps qu'on y arrive, on va se faire au moins 2 tours de reconstitution, ça devrait suffire. Donc ici, on peut faire un truc et réparer, mais malheureusement, on ne va pas le faire. Ici, on pourrait passer level 3. 200 de pierre, 55. Ouais, on prend, ouais. Bon, on a plus de pierre, par contre. Mais Uruk qui passe level 3, ça veut dire qu'elle sera beaucoup plus à même de tenir. On a quand même un 180 grâce à notre diplomatie par tour. J'aime bien l'idée. On a des avant-postes endommagés. Bah ouais, on a des avant-postes endommagés. C'est la vie. C'est comme ça. On va s'arrêter là du coup pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, encore un grand merci à votre accueil pour le premier épisode de cette série qui démarre très très bien, et on se dit à très vite pour la suite, ciao ciao tout le monde!